il n'y a pas d'école spécifique. On apprend le métier via directement le terrain, quoi. Donc, nous sommes là en tant que chef d'équipe pour encadrer les nouveaux arrivants, pour leur expliquer les tâches à faire, à suivre, et les aider au travail. Parce que la première fois qu'on arrive, bien sûr, on est un peu perdu. Donc, nous sommes là pour les encadrer, pour les aider, et de façon à ce que eux, ils puissent aller de l'avant. Moi, je dis que bon, on n'a pas besoin de beaucoup d'études pour être dans le forage. C'est de suivre ce qu'on nous dit. Et puis après, au fur et à mesure, nous-mêmes aussi, on peut donner quelque chose aux autres qui y arrivent. On apporte un savoir. Voilà. Mais il n'y a pas besoin d'école pour faire ça. Ça arrive si vraiment on veut, on peut. Il faut être un peu plus patient et puis réfléchir beaucoup. Compétences. Voilà, la compétence, il faut réfléchir beaucoup à ce qu'on fait. On n'arrive pas sur un terrain, on dit d'aller là et puis on y va. Déjà, on regarde comment c'est, comment qu'on peut entrer, comment faire ci, comment faire ça. Si par exemple j'ai un petit doute, je peux demander à Michel, on fait comment? C'est pareil, Michel peut me dire, on fait comment? Et après, avec ce qu'on sait, après on peut travailler après. Ce métier est en perpétuel mouvement. Par exemple, il y a quelques années, on faisait des essais pressiométriques, on les faisait sur le carnet. Et au fur et à mesure du temps, le métier évolue. Et justement, la chose qui est bien, c'est que chaque chose évolue, les machines évoluent, la façon de travailler évolue sans cesse, en permanence. On n'est jamais dans le même cycle. C'est-à-dire que ce n'est pas répétitif. Il y a une tâche répétitive, mais il y a des choses qui, à la longue, c'est plus répétitif. C'est-à-dire que c'est petit à petit, on évolue avec le temps. Voilà, c'est exactement ça. Il a tout résumé, Michel. Il n'y a pas que les machines, il faut tout gérer, tout ce qu'il y a à côté. Hein. Comme on disait tout à l'heure, si on a un client, il faut gérer avec le client. Si on a un problème, il faut appeler l'ingénieur comme quoi il y a un truc qui ne va pas. Alors, il n'y a pas que la machine. Il y a des gens qui croient que tu arrives et puis tu prends la C'est tout un machine comme ensemble. ça. Mais il y a tout ce qu'il y a autour. Hein. Le métier de sondeur, c'est tout un C'est ensemble. tout. C'est une gestion. Ouais. Il y a la gestion du matériel, il y a la Ouais. gestion de la machine, Voilà. il y a la gestion du chantier, il y a la gestion du camion aussi, parce qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas souvent, il y a la gestion du camion. Ça, il y a tout un ensemble à prendre en compte et qui fait que bah, nous, derrière, on n'a pas seulement que la machine à piloter, il y a aussi tout un travail qui est fait en amont. Et puis, il y a la gestion du terrain aussi. Parce que surtout à Paris, on n'a pas toujours les mêmes terrains. Quand on arrive sur un terrain, il faut déjà savoir avec quoi tu vas travailler. Si le terrain est emmerdé, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que des fois, on peut être emmerdé. Mais quand tu es emmerdé, il faut bien réfléchir pour C'est savoir très comment. dur, hein, tu Ah sais. oui, non, mais il faut bien réfléchir pour dire, ah non, comment on va faire ça? Non, mais Mais tous les terrains, ce n'est pas pareil. Chaque la terrain se difficulté est travaille différente. différemment. Mais après, comme je dis, ça vient avec la connaissance, avec l'ancienneté. Il faut avoir du courage, beaucoup de courage. Et si on arrive avec ce courage, on arrive à faire quelque chose de bien. Soutenu des seconds, des personnes qui ont travaillé avec moi. Et moi, ce que j'ai apprécié de la part de ces personnes-là, c'est que de temps en temps, je reçois un coup de fil et on m'a dit merci. Et pour moi, c'est une fierté, c'est presque quelque chose. C'est une reconnaissance par rapport à ce que j'ai appris. Parce que moi, j'ai appris des anciens et les anciens n'étaient pas toujours évidents, mais ils m'ont soutenu. Ah. Donc moi, à mon tour, je soutiens les jeunes qui arrivent, bien sûr. Et je voudrais que plus tard, eux, parce que quand je serai en fin de carrière, eux, ils soutiennent à nouveau les jeunes, ainsi de suite, à la roue. Et on est là, nous sommes maintenant, on arrive à un âge où on est encadrant et on est là pour apprendre. Mais on apprend tous les jours aussi. À tous les jours, On on apprend apprend. tous les jours. Nous aussi, on apprend d'eux-mêmes. Par exemple, une idée, ils peuvent nous apporter une idée, on est en difficulté, ils peuvent nous apporter une idée, on peut la mettre en application. Après, ça fonctionne pas. Le but, c'est qu'il y ait un bon état d'esprit. Et à partir du moment où il y a un bon état d'esprit, tout se passera bien.